Bonjour Lolita. Bonjour. Vous qui êtes tombée très jeune dans la marmite du cinéma, est-ce que le fantastique a fait partie de votre éducation à l'image? Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquiez en famille ou c'est quelque chose que vous avez dû découvrir seule? Non, c'était plutôt quelque chose que j'ai découvert seule. Enfin, comme plein de gens au début, à l'adolescence, j'ai fait plusieurs soirées. Je me rappelle qu'on regardait un film avec mes copines, ça s'appelait Candyman, un film d'horreur horrible. Et on adorait se faire peur, avoir peur. Donc c'est plutôt, c'était pas forcément dans ma culture familiale, les films fantastiques ou d'horreur. Ou, c'est plutôt quelque chose que je faisais avec mes amis. On faisait aussi des séances de spiritisme. Voilà, c'était plus un trip jeune adolescence plutôt que familiale. Petite, vous dites que vous déguisiez et que vous vous maquilliez, vous aviez besoin de cette mise en scène pour exister. Est-ce que le cinéma fantastique pourrait faire exister des choses de vous? Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai toujours aimé l'imaginaire Amérique du Nord, Halloween, nuit sombre dans les pavillons américains. J'ai toujours associé les films d'horreur et fantastique un peu à cette géographie comme ça. Et c'est vrai qu'il y a... par exemple, j'ai toujours aimé l'imaginaire Halloween, les déguisements de sorcières, de vampires. Et du coup, c'est sûr que dans l'imaginaire du film de genre, je me vois très bien, moi, jouer dans un film de vampire. Ah oui, ça, j'adorerais. De vampire. Ah, j'aimerais beaucoup. D'accord. Ça me ferait beaucoup rire et ça m'amuserait beaucoup. Je trouve qu'il y a toute une esthétique, parfois, dans les films fantastiques ou d'horreur que je trouve assez géniale. Actualité oblige, on parle du masque. Alors, quel est votre film de contagion préféré? Mon film de contagion préféré, c'est It Follows, qui est un film extraordinaire américain qui est sorti il y a 4 ans, qui est très actuel en ce moment par rapport à la crise sanitaire que nous vivons, mais c'est sur des gens qui se contaminent sexuellement dès qu'ils font l'amour, et après ils portent le virus, et c'est un film, c'est un film très métaphysique, très existentiel. Qu'est-ce que ça remue en vous, Lolita? Le fait que vous pourriez vous retrouver, vous, à la place de ces gens-là, et vous avez peur de ça? C'est un film très horrifique et complètement très de science-fiction, mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est un film même où la fiction a rejoint la réalité complètement. C'est un film qui raconte un monde où on ne peut plus où l'indépendance et la liberté n'est plus possible, un peu ce qu'on vit aujourd'hui, puisque dès qu'on a un contact avec quelqu'un, potentiellement, on est malade. Donc c'est un film très fort comme ça, sur l'âme humaine. Moi, j'avais trouvé ça très, très au fort. Au point où ça peut encourager des cauchemars chez vous ou pas? Ou les films d'horreur, c'est une fois vu, c'est évacué? Ouais, c'est assez évacué, étrangement. Ça reste pas? Non, pas trop. D'accord. Et puisqu'on parle de films d'horreur, si je vous dis masque, vous pensez à quel film en particulier? Je pense aux Yeux sans visage de Franju, qui est un film très fondateur du genre, il me semble, qui est un film assez extraordinaire. Aussi, voilà, comme je pense, les grands films d'horreur, c'est des films métaphysiques, parce que c'est un film qui parle du temps qui passe, de la beauté féminine, de l'éternelle jouvence, et c'est un film très effrayant. Aussi complètement sur la désincarnation, la dépersonnalisation de personnes. C'est un film très flippant, mais incroyable. Et c'est un film qui, quand on l'entend dans votre bouche, qui parle aussi de l'acteur. L'idée de qu'est-ce qui se cache derrière un masque, l'idée de l'incarnation. À chaque fois, vous travaillez de cette manière-là, de donner un visage à un masque. Complètement. D'ailleurs, un acteur, c'est un visage. C'est un paysage qu'on filme. Ou qu'on regarde sur une scène de théâtre. Et donc, c'est vrai que c'est presque une phrase qui... C'est un film sur le regard, et c'est vrai que ça parle aussi d'un endroit où l'acteur pourrait être. C'est-à-dire qu'un acteur, c'est des yeux, c'est une bouche, c'est presque une philosophie du visage, les yeux sans visage de Franju. C'est intéressant, je trouve, pour un acteur, justement, qu'on ait un acteur qui est tout le temps regardé, qui est tout le temps filmé, qui est tout le temps, enfin, pas tout le temps, mais qui a ce rapport à l'image, à sa propre image, à la représentation. Voilà.
qu'est-ce qui est montré et qu'est-ce qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on ne voit pas. Dernière question, Lolita, puisque pour vous, être actrice, c'est autoriser ses sens à être en alerte, c'est une très belle phrase. Quel sens pourrait réveiller le cinéma fantastique? Ah bah alors le cinéma fantastique, c'est sûr que le cinéma fantastique, pardon, réveille plein de sens. Déjà, ça réveille cette chose un peu ancestrale qu'on a en nous, qui est la peur. Donc c'est comme une sorte de catharsis, de frissonner, de sursauter comme ça. Je dirais, bon, de façon basique, c'est celui-là. Et puis ça, c'est vrai, ça va dans des endroits très noirs, donc ça réveille cette part de darkness, je dirais, qu'on a tous en nous. Et il y a quelque chose de cathartique, en fait, dans les films d'horreur. Ça, c'est vrai. Le fait que vous soyez de nouveau une proie et qu'un prédateur soit plus grand que vous. Oui, c'est ça. C'est des cauchemars presque originaux. Presque, quand on est petit, on rêve qu'on est poursuivi. Enfin, même quand on est grand, d'ailleurs. Mais c'est... Ça met en œuvre des sentiments très primaires, je trouve, mais du coup, intéressants. Et en effet, Dario Argento a fait des grands films d'horreur. Les yeux sans visage, c'est un film très fondateur. Il y a des films comme ça qui utilisent des choses très primaires et ça va très loin, en fait. Merci beaucoup, Lolita. Merci beaucoup. Voilà.